Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massiette. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement spéciale. On a deux trucs énormes dans cette vidéo. On a d'abord un énorme repas que je vais manger de suite avec vous. On va déguster plein de pizzas. En réalité, on va manger 30 pizzas à deux. Et dans lequel je vais vous faire une annonce genre énorme. Maxime va vous faire une annonce énorme. Je vais bien manger, il va bien manger, il va encore plus manger que moi, je peux vous le garantir. Moi j'en ai 23 ici, Julien en a 7. Maxime en mange beaucoup plus que moi, parce que vous le savez, moi je suis en préparation de compète, je peux pas faire tout et n'importe quoi. Néanmoins, je participe quand même au principe de la vidéo, donc je vais en faire 7 ici. Moi je vais en faire 7 pizzas. Je vais essayer de faire plusieurs goûts différents, je vous les montrerai juste après. Et dans cette annonce, dans ce repas, on va vous parler d'une surprise énorme pour toutes les personnes qui pourraient potentiellement s'entraîner, qui pourraient s'intéresser à l'entraînement. On a une énorme surprise pour vous qui est totalement gratuite, qui est offerte. C'est un peu notre cadeau de remerciement et de travail. Et c'est ce qui nous permet de vous partager quelque chose de super intéressant pour vous, pour qu'on puisse échanger, etc., pour que vous appreniez un max de choses. Du coup, on est très fiers de vous montrer tout ça. Avec Maxime et Vince, la personne avec qui on travaille sur nos coachings, sur Misfit Tiling, c'est l'homme de l'ombre. Mais ne vous inquiétez pas qu'il fait aussi beaucoup de travail. Tous les trois, on vous sort ce contenu extrêmement intéressant. Vous allez être refait, je peux vous le garantir. Je vous explique ce que c'est juste après, pendant la dégustation de ce repas spécial. Et bien, c'est parti, on y va. Alors, on se dit tout? Yes. Alors voilà les gourmands, on a ces pizzas au final, j'en ai 8, j'en ai pas 7. Moi ça me va très bien, je vais pouvoir me régaler, là elles sont encore un peu chaudes, je vais attendre un peu, je vous présente un peu le truc. C'est une recette qui est sur le site, c'est une recette qui est 100% de faite maison, qui est 100% saine. Des mini pizzas apéritifs, on peut appeler ça comme ça, ou bien si vous voulez manger une recette entière, si vous voulez 7 pizzas, à vous tout seul, bah, pour le dîner, vous pouvez le faire. Elle n'est pas très calorique. Je vais pouvoir les manger tranquillement. Je vais essayer d'en goûter une là, sans me brûler. Je pense que je vais pas prendre les oignons parce qu'ils doivent être encore bien chauds. Je vais plutôt commencer par une basique, hein, une sauce tomate et poulet. Donc on va goûter ça. Parfait. Ah, j'ai plaisir. Le Vacherin Suisse, c'est un client qui me l'a envoyé, un client coaching, et franchement, je trouve que bon, c'est très bon comme ça à déguster, mais en cuisson, c'est super bon. Donc moi, j'en ai des oignons et jambon, des oignons fromage, et pour faire plaisir à Julien, des hawaïennes, donc ananas et jambon, je sais qu'ils détestent ça, mais moi j'aime bien. Alors vous, qui est team ananas sur la pizza? Dites-le nous en commentaire, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, soutenez-moi. Je me demande ce que Julien a fait comme goût. Oh, c'est délicieux. Donc voilà, alors l'annonce qu'on a à vous faire avec Maxime, avec l'équipe MFT, avec Vince. On a une grosse, grosse surprise pour vous. C'est qu'on va vous lancer dans une semaine, tout pile une semaine, un contenu 100% gratuit et personnalisé selon vos objectifs. Ce contenu, c'est 8 semaines d'entraînement organisé avec nous. C'est 8 semaines d'entraînement avec une planification et des explications pour vos objectifs, pour votre niveau, pour que vous puissiez apprendre un maximum de choses. Mmh.
Ananas, jambon, c'est un bon combo. J'ai vu une nouvelle pizza sur Twitter qui est sortie avec des kiwis. Qu'est-ce qu'ils inventent pas? Bref, je disais du coup que on a une surprise pour vous. Et cette surprise, c'est tout simplement si vous vous intéressez un tant soit peu au sport, ou que vous voulez vous remettre en forme, que vous n'avez pas encore commencé, mais que vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu vous remettre en forme, tout simplement parce que avec la nouvelle année, etc., vous êtes un petit peu en surpoids, ou vous avez pris un peu trop de gras, vous vous sentez un petit peu flasque, ceci est pour vous. Puisque on vous offre un journal, qui est le journal du débutant, qui est tout simplement un programme de 8 semaines pour vous apprendre tout ce que vous devez connaître quand vous commencez la musculation. En général, quand on commence la musculation, on est perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit commencer à faire en premier, à quoi il faut faire attention, à quoi il ne faut pas faire vraiment attention au début, etc. Tout ça, c'est un peu confus au début de la musculation. Et c'était mon cas, c'était le cas de Julien avant, etc. Donc on écoute les choses sur Internet, mais sauf que sur Internet, il y a plein de choses qui sont fausses. Et en plus de ça, c'est difficile de prendre les infos qui sont que pour les débutants, etc. Tandis qu'ici, on a fait quelque chose 100% pour vous, les débutants qui regardent cette vidéo et qui souhaitent prendre ce programme. C'est vraiment basé sur la science de l'entraînement et de la nutrition, tout simplement pour vous aider à vous développer au mieux en tant que débutant en musculation. Et qu'est-ce qu'un débutant? Un débutant, tout simplement une personne qui soit n'a pas encore une masse musculaire énorme, qui pense qu'il est en train de stagner parce qu'il ne sait pas trop quoi faire, ou tout simplement quelqu'un qui n'a pas encore toutes les bases en musculation et qui souhaite y commencer, ou alors quelqu'un qui n'a même pas encore fait de musculation de sa vie. Mais en général, une personne sous les 1 an et demi de musculation, si elle s'entraîne toute seule, ce programme va être pour elle. Puisque si elle n'a pas encore eu affaire à un coach en 1 an, 1 an et demi, elle n'est pas vraiment rodée, elle est toujours considérée comme débutant. Si vous êtes débutant, ça va vous faire exploser à l'entraînement. Là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment exceptionnel. Mais si vous êtes déjà intermédiaire avancé, ou si vous pensez l'être, parce que croyez-moi, il y a des choses comme ça qu'on voit très souvent, vous pensez être avancé mais vous ne l'êtes pas du tout, ou intermédiaire, etc. De vous dire, il y a qui pour parler comme ça. Bref, ça va vous apprendre aussi beaucoup de choses sur la façon de programmer. Si vous n'avez jamais eu de programme, si vous n'avez jamais noté vos entraînements au détail, eh bien, je pense que là-dedans, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et peut-être même que vous allez pouvoir en retirer quelque chose d'extrêmement positif pour votre entraînement à vous. On a tout écrit avec les explications par semaine, etc. pour que vous appreniez des choses petit à petit selon votre niveau et vous puissiez avancer pendant ces 8 semaines. Pendant ces 8 semaines, on vous met en place votre entraînement selon ce que vous nous dites. Si vous voulez un 3 jours, si vous voulez un 4 jours, si vous voulez un 5 jours, si vous êtes en salle ou si vous êtes à la maison, ça marche aussi. Tout ça, c'est 100% gratuit. Le lien est en description si vous voulez vous inscrire. Ça commence dans une semaine. On commence tous ensemble. On fait les 8 semaines les unes par une. Et à chaque fois, on évolue. Et tout ça, c'est 100% gratuit. Vous avez les explications, les vidéos et vous avez aussi le programme d'entraînement disponible sur téléphone comme sur ordinateur. Et vous allez voir, c'est très sexy et ça peut être rempli. Le but, c'est de vous apprendre à faire un vrai programme. Un programme, c'est des choses qui sont notées, prévues, etc., mais pas faites n'importe comment. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand monde qui s'y connaît en programme. On ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un programme. Les gens s'imaginent que c'est juste, je fais 4 fois 12, et encore, peut-être que vous ne le savez même pas. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Ça, c'est juste des notes. C'est des idées. Un programme, c'est beaucoup plus détaillé. Et vous allez apprendre beaucoup de choses là-dedans. On va vous apprendre des choses sur les exécutions, on va vous apprendre des choses sur les choix d'exercices, sur la façon de s'entraîner, etc. C'est 8 semaines dans lesquelles on va vous apprendre beaucoup de choses. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Donc, on ne fait pas tout en une semaine, tout simplement parce que le but, c'est vraiment que ça rentre dans votre tête, que vous soyez rodé après, que vous ne soyez pas en mode « Oh, ben, j'ai lu une fois la chose, c'est bon ». Parce qu'on va pas se mentir, quand on lit un article, on lit une fois, puis ça part, il y a un petit 10% de ce qu'on lit qui rentre, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc là, on vous met les informations par semaine, comme ça. Pendant une semaine, vous rentrez dans la tête quelques informations. Et puis, vous entrez les informations suivantes la semaine d'après, etc. Et si vous faites vraiment, vous jouez le jeu et que vous faites les 8 semaines une par une, vous verrez que vous serez rodé, que vous allez bien comprendre les principes. Non, si vous voulez tout faire en une semaine, libre à vous. Mais ça va moins bien rentrer dans votre tête. Finalement, c'est des tacos, mon truc.
j'avais trop faim, je les ai pas fait trop longtemps cuire au four. Sinon, normalement, elles sont un peu plus croustillantes et elles se plient pas. J'avais trop faim. Donc le but, c'est qu'en 8 semaines, vous appreniez à vous gérer avec un vrai programme détaillé pour vous. Si vous souhaitez vraiment avancer dans vos entraînements, c'est le moment ou jamais parce que c'est 100% gratuit. On vous a tout fait, on vous a fait les vidéos, etc. Et en plus, on vous aide à suivre ces 8 semaines avec un max de détails possibles et d'explications. Bien sûr, le but, c'est pas de vous lancer comme ça un truc genre « Tiens, fais du quad x12 », ben non, on va tout vous expliquer, etc. pour savoir bien le faire. C'est important pour nous parce qu'en fait, on en a un peu marre de voir tout et n'importe quoi. Et du coup, on s'est dit, si on doit faire un truc gratuit autour de l'entraînement, etc., ça doit être forcément ça. Parce que franchement, c'est désolant de voir les gens qui s'entraînent en partant un peu à l'aveuglette à l'entraînement, etc. Ça nous fait un peu mal au cœur. Et surtout, c'est super important pour vous que vous ayez des objectifs et un minimum de suivi envers vous-même pour que vous puissiez le faire correctement, évoluer sans vous blesser et en étant heureux et en progressant correctement. Donc là-dessus, vous allez être 100% content de ce que vous allez avoir. Donc les inscriptions sont déjà lancées, vous avez une semaine pour vous enregistrer et la semaine, donc le week-end prochain, vous aurez ensuite ce qu'il faut pour partir pour la première semaine d'entraînement selon ce que vous nous avez donné, c'est-à-dire les renseignements que vous allez compléter sur le lien qui est juste en dessous. C'est vraiment expliqué comme pour quelqu'un qui n'a jamais rien entendu dans le sujet de la musculation et du coup c'est très simplifié mais ça vous permet de tout comprendre. Et en plus de ça, on vous a filmé des vidéos explicatives nous-mêmes qui vous expliquent les grands principes de chacune des semaines oralement en vidéo pour que, en plus d'avoir lu les choses, vous puissiez les entendre et vraiment bien tout comprendre. Et en plus de ça, chaque semaine, vous allez avoir une fiche de programme, c'est-à-dire une feuille d'entraînement que vous allez remplir à chaque séance pour progresser chaque semaine en rentrant dans la fiche ce que vous allez faire sur la semaine. Et chaque semaine, cette fiche va évoluer jusqu'après les 8 semaines. Elle va être vraiment complète et elle va vous permettre de savoir comment bien remplir une fiche d'entraînement chaque semaine pour progresser. Très bon, oignon et fromage blanc et sel. Ça fait un peu une fausse flamme de cuche, c'est vrai. Donc les gourmands, c'est le moment que jamais de rentrer et de choisir d'évoluer avec une vraie notation, une planification, un truc intelligent et qui est adapté à vous. Vous allez pouvoir prendre votre temps et apprendre chaque semaine des choses super intéressantes. C'est vraiment un cadeau de Noël bien après les fêtes, mais c'est vraiment incroyable. Si j'avais pu avoir ça en étant débutant, ça m'aurait aidé de manière inconsidérable. Donc franchement, si vous êtes dans ce cas, ou même si vous êtes début intermédiaire et vous pensez être intermédiaire, checkez ce truc, inscrivez-vous. Il suffit juste d'aller dans le lien, premier lien en description, de cliquer sur le lien, de mettre votre adresse mail. Vous allez recevoir un questionnaire que vous allez devoir remplir par mail et en fonction, vous allez recevoir votre programme. Ici, le programme sort dans exactement une semaine. Vous avez une semaine pour vous inscrire. Une fois que la semaine est passée, vous pourrez toujours vous inscrire. Mais sachez que si vous le faites cette semaine-ci et que vous commencez du coup la semaine prochaine, dimanche prochain ou lundi prochain, vous allez commencer en même temps que toutes les autres personnes qui ont décidé de s'inscrire. Et du coup, vous allez pouvoir vous entraider l'un l'autre, partager sur Instagram vos exercices, vos progrès, etc. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, ça pourra créer une petite communauté entre nous avec tous les débutants qui ont suivi ce programme et qui progressent au jour le jour. Et vous verrez que vous en apprendrez vraiment des tas et vous serez bien au-dessus de la plupart des gens que vous voyez en salle de sport qui viennent juste là pour faire un petit peu de sport mais qui ne savent pas du tout quoi faire. Là, vous aurez une idée précise de comment vous entraîner et ça, c'est cool. Ouais, moi, je vais finir toutes ces pizzas. Je ne sais pas où Julien en est de son côté. C'est avec le programme disponible sur mobile. Vous pouvez le remplir n'importe où vous soyez. Et nous, on va le voir à la fin quand vous allez nous l'envoyer. En fait, c'est un programme qui se remplit. Vous allez tout recevoir, vous allez pouvoir l'ouvrir sur votre mobile, vous allez pouvoir compléter vos répétitions, remplir vos ressentis, etc. Et le but, c'est de vous apprendre à tout noter. De vous apprendre à noter vos répétitions, vos séries, etc. Parce qu'en fait, tout ça, tout ce petit détail, en vous apprendre à savoir comment le regarder et toutes les importances que ça peut avoir. Aujourd'hui,
sans doute. Et ce qu'on vous dit toujours, quand nous on est dans une salle de sport, vous dites toujours, ouais, les gens ils nous regardent, ils nous jugent en fonction de notre niveau, rien à voir. Que ce soit moi, Maxime ou Vince, quand on est dans une salle de sport, on regarde déjà pas beaucoup les gens. Mais si on regarde les gens autour de nous, la première chose qu'on va voir, c'est quelqu'un qui fait un très bel entraînement. Et pas forcément, souvent c'est pas les meilleurs. Rien à voir, c'est pas forcément les plus gros, c'est pas forcément celles qui ont le plus gros fessier. Rien à voir, en général les personnes qui nous impressionnent, les personnes avec qui on se dit waouh, putain c'est cool. C'est par exemple la personne qui fait une traction vraiment complète, une vraie traction, qui fait pas le crapaud ou qui ne donne pas des coups de tête, ou une personne qui fait un vrai squat sans avoir le fessier qui flanche. Bref, des petites choses comme ça. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que je dis parce que vous êtes débutant, mais tous ces détails-là, c'est ceux qu'on regarde et ceux sur lesquels on se dit waouh. Et vous savez quoi? Tout ça, on va vous l'apprendre et derrière, vous allez pouvoir gérer tout ça correctement par vous-même. Donc du coup, on vous attend pour nous suivre à partir de la semaine prochaine pour la première semaine. C'est comme quand vous faites une recette sur Instagram, quand vous avez bien réussi la recette, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point nous, ça peut nous donner de la satisfaction, en fait. Donc, entre guillemets, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager notre travail et de montrer que vous appréciez notre travail, en fait. C'est comme sur YouTube, comme ici, si vous likez la vidéo, vous vous abonnez, en fait, ça nous permet d'être mieux référencés et de savoir qu'effectivement, ça vous fait plaisir ce qu'on est en train de faire. Si vous commentez une vidéo, plus vous ajoutez des commentaires, plus on se dit « putain, cette vidéo, elle était bien ». Vous dites « c'est banal de faire un truc comme ça », mais en fait, ça a un impact énorme sur notre travail et ça nous booste à partir dans certains sens ou dans un autre. Alors que peut-être parfois, vous n'avez pas laissé de commentaires, vous n'avez pas laissé de likes, etc. Et c'était exactement ce que vous attendiez. C'était exactement le contenu que vous aimiez. Et bien en fait, tout ça, c'est super important, c'est super impactant. C'est pareil pour le programme. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager autour, n'hésitez pas à liker ou autre, ou à mettre ça en story, par exemple, partager votre entraînement, etc. Parce que on peut vous le dire, nous, on est extrêmement fiers et extrêmement contents quand on voit qu'on a lancé quelque chose qui vous plaît. Donc, si vous vous lancez avec nous, si vous vous lancez sur ces 8 semaines, vous allez en apprendre énormément. Que vous soyez débutant, vous allez exploser derrière. Si vous êtes intermédiaire avancé, vous allez apprendre beaucoup de choses et peut-être remettre des choses en question dans vos propres entraînements. Et petite astuce, c'est pas forcément adapté qu'aux débutants parce que tout simplement, on a fait jusqu'à un format 5 jours. Et si vous voulez par exemple vous entraîner, vous êtes intermédiaire avancé, vous entraînez que 3-4 jours, vous pouvez tout simplement prendre le format 5 jours et vous reprenez des exercices de la fin de semaine et vous les entassez sur moins sur une séance. Et pas bête, non? Allez, c'est parti, on vous attend. Let's go! Je veux aussi boire un petit peu, donc ça c'est de la L-carnitine 2000, donc il y a tout simplement c'est une boisson sans sucre ou pamplemousse, presque 100 calories, il y a 5 calories pour toute la bouteille et je bois une demi-bouteille par jour parce que c'est ce qui est conseillé, donc mon avis c'est pour le taux d'édulcorant qui doit pas être ouf là-dedans et si on veut pas des effets laxatifs, c'est mieux pas de pas boire plus que 250 ml de ça par jour. C'est vraiment bon, on dirait un Aquarius, excellent. Et c'est tout simplement une boisson à la L-carnitine. L-carnitine considérée comme quelque chose qui fait perdre du gras. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas un truc magique, ça vous fera pas perdre du gras si vous êtes en déficit calorique. Pour mon cas, je suis en surplus donc ça va rien faire. C'est vraiment que pour le goût, mais si vous avez envie quelque chose d'un petit peu sucré et que vous voulez boire une boisson, ça c'est cool, franchement. Testez ça.
Donc c'est Dispo sur Team Nutrition, moins 10% avec mon code MAXIS, je vous le mettrai en description. Et vous pourrez vous procurer, il y a agrumes et mojito, et franchement, agrumes est délicieux. Mojito, j'ai aussi goûté, c'est incroyable, on dirait un vrai mojito, mais sans l'alcool. Je comprends pas comment vous ne pouvez pas aimer ananas et jambon. C'est un combo de dingue, sucré salé. Surtout si vous aimez PB & Jelly, pas pourquoi vous n'aimez pas jambon ananas. Ah oui, aussi, à partir de début février, le site Misfit Tidings a changé. Il est 10 fois mieux, tout simplement parce qu'il sera beaucoup plus facile d'utilisation. Les infos à trouver seront plus simples. Vous verrez des transformations de nos élèves de coaching dessus. Les offres de coaching seront plus lisibles, mieux expliquées. Donc si ce n'est pas encore le cas, suivez-nous sur Instagram pour pouvoir tout simplement partager avec nous tout simplement si vous faites déjà des recettes ou alors partager vos progrès sur le programme débutant de 8 semaines et du coup pouvoir échanger avec les autres personnes qui le font. On créera un hashtag pour que vous puissiez mettre vos progrès, faire des posts, des stories, etc. Et comme ça, on créera une team de winners. Et voilà, j'ai terminé mon assiette, je suis plein, je viens juste de finir, j'ai plus faim, j'ai trop mangé, ça m'a régalé. Bon écoutez les gourmands, c'était un plaisir de partager avec vous cette vidéo, de vous annoncer tout ça, on espère vous voir nombreux à nous rejoindre, on est vraiment ultra pressés de vous montrer tout ce travail qu'on a pu faire. Ça se vide, hein, il en reste que 6. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que courant février, on va vous sortir quelque chose d'autre de très cool avec plaisir et diète. Donc, franchement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous incite pas, mais je vous conseille de le faire, puisqu'il y a vraiment des choses épiques qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et pour être averti des nouveautés, vous pouvez même vous inscrire à la newsletter de plaisir et diète sur le site. Je vous mettrai aussi le lien en description. Comme ça, dès qu'on sort une nouvelle recette gratuite ou un e-book ou quelque chose, vous êtes averti en premier. Et en plus de ça, pour couronner le tout, à l'inscription à la newsletter, vous recevez un e-book de 10 recettes gratuitement à chaque inscription à la newsletter. Donc, ça c'est pour vous remercier de faire partie de la team plaisir et diète. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter plaisir et diète, pensez à le faire, c'est vraiment très cool. On vous sort en plus une recette par semaine, une recette inédite, délicieuse et bien sûr saine. Et voilà, en 20 minutes, c'est plié. Vous avez appris pas mal de choses intéressantes, je pense. On se retrouve la semaine prochaine pour le début de ces 8 semaines d'entraînement. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.